What's going on, guys? Et bienvenue pour un nouvel épisode de la campagne des vampires sur Total War Warhammer. Alors, après moult discussions avec les commentaires, on va avancer en fait, entre parenthèses, dans l'histoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défoncer le chaos. Pourquoi? Parce que. Alors, ça, c'est notre carte. Nous avons. Les nains avec nous. On va prendre cette carte plutôt. Comme ça on voit les couleurs. Nous avons les nains avec nous. Donc on a défoncé quelques orques la dernière fois. Donc les nains ont pris possession de pas mal de terres. Plus une en plein milieu des orques. Ça c'est plutôt cool. Tiens. On va aussi lui dire de... Hop. Hop. Et eux, Moussillon, voilà. On a fait mal. On a fait très mal aux orques, qui sont plus que 4. Rang 4. C'est quand même bien, mais c'est que rang 4. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. I am ready to parley. I hope your words... Yeah. Et c'est plutôt bien. Donc, apparemment, maintenant, les orques, ils sont un peu, on va dire, en stand-by. Ils nous attaquent plus trop. Donc, on va en profiter, en fait, pour... Il n'y a que cette petite armée là qui se refait. J'aurais bien voulu en fait attaquer cette ville aussi. C'est un peu ce que je voulais faire parce que Manfred est vraiment à côté. Mais ce qu'on va faire en fait, on va revenir sur les terres. On va revenir sur les terres ici pour défoncer le cette connerie Oh putain. De rébellion, voilà, putain, impossible de trouver le mot. Donc on va s'avancer le plus possible. On peut pas attaquer eux de toute façon. Hein. C'est pas possible. Ce qu'on va faire par contre, c'est se mettre là. Comme ça, si jamais il veut attaquer la ville, nous on sera là pour défendre. On va être dans la zone, donc on va être impliqué. Donc il va sûrement pas attaquer la ville. Enfin, pas faire de siège en tout cas. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça. On a quelques niveaux. Qu'est-ce qu'on va lui donner à lui? On va faire ça. Et elle aussi. Ah oui, c'est vrai que ça avait pas sauvegardé la dernière fois. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... créer une troisième armée pour attaquer le chaos. Donc je rappelle que le chaos il est là-haut. Il est juste là. Donc nous on a l'armée de Kemmler qui est juste là. Et le chaos est le premier. Donc ils ont sûrement beaucoup de force. Donc ils sont plutôt par là. Ce qui est bien c'est que si on détruit toute leur armée, bah c'est fini. Plus ou moins fini on va dire. Donc on va commencer. On va d'abord faire ça parce que j'avais promis, plus ou moins promis que j'allais créer des émissaires de l'ombre. Donc c'est ce qu'on va faire. Et aussi on a les nouvelles unités parce que ça c'est après la mise à jour. Il y a eu le... Enfin pas, non pas la mise à jour, le DLC. Donc on a nouvelle unité chevalier de sang. Je pense qu'on va les faire un peu plus tard, mais on va les faire. Donc ça on va passer en... Comme ça. Ici aussi. Et on va commencer à créer notre troisième armée. Alors avec qui? Je ne sais point encore. J'avais dit qu'on allait regarder s'il y avait des bonnes troupes ici. Mais en fait, il faut quasiment plus de 2000 de morts pour avoir des bonnes... Pourquoi on peut pas... Ah, voilà. 1700. 1800. Il faudrait être dans les 3000, en fait, pour avoir des unités... rare à récupérer, donc c'est plus ou moins inutile, je dirais. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va en profiter. Lui, il va se mettre là, il va récupérer des mecs, et je pense que on n'a pas vraiment le choix. Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre là. On a une vampire ici. Elle est encore abîmée, donc elle n'est pas là. On a elle, on a lui. On n'a pas une vampire qui...
Attends, parce qu'il y avait une mission, je crois. Battez deux... Ouais, ok. Deux garnisons. Piller la région. Roi revenant. Et je crois qu'on peut en avoir une autre de vampire, si je ne m'abuse. Ah, une banshee, on peut... Ouais, on en a une sur deux. Ok, ça marche. Du coup, voilà. C'est quoi, ça? Oui, ça se répare automatiquement, donc c'est pas grave. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire une troisième armée, en fait. Et on va aller plus ou moins détruire le chaos. Parce que le chaos est pas loin de chez nous. Et puis, bon, bah, ça fera de l'argent. Et ça devrait pas être très dur. Alors, après, la troisième armée... Oh, tiens, les nains, ils attaquent. C'est bien, ça. Après, la troisième armée, quoi faire? Je pense que ça va être... plus ou moins des soldats un peu banals, genre des gardes de crypte, genre plein, parce que en fait je peux les faire en un tour, ils coûtent pas cher parce qu'on a l'augmentation qui a été finie, et on peut les faire en 4 ou 5 je crois directement. Donc la troisième armée va plutôt être comme ça. Et avec Kemler, on va lui rajouter... Ok, quête annulée. Vampire, ici. Cool, parce que c'est bien, parce qu'on a un vampire, en fait. Un vampire qui fout rien, je crois bien. Voilà. Très bien. Donc, tu vas venir ici. Donc on va en profiter, voilà, comme je disais, voilà, on va faire un... on va faire des bêtes pour Kemler. Et on va faire une armée de soldats un peu banale pour la troisième armée. Ça va être un peu... Parce que franchement, s'ils sont beaucoup... par contre, là, j'ai un problème. Oh, ce qu'on va faire, c'est ça. Attends. Bon, on est bon là. Yes. Parfait. On va le faire manuellement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une troisième armée un peu banale. C'est juste pour... augmenter les taux de chance de réussite. Et voilà. En gros, c'est ça. J'ai peur qu'un peu les gardes de crypte, en fait, commencent à être un peu faibles par rapport aux armées du chaos, parce que les armées du chaos sont quand même pas mal puissantes. Mais bon, dans un sens, on a beaucoup de magiciens, donc bon, ça devrait passer. Mais en tout cas, faut voir ce qu'ils ont. Faut déjà voir ce qu'ils ont. S'il faut, ils sont pas vraiment beaucoup, quoi. Hein. Après, vu le nombre d'armées que les orques avaient alors qu'ils étaient... Ah non, ils étaient premiers et on les a tellement défoncés qu'ils sont passés quatrième, en fait. Ouais, je dirais... 6 armées, je dirais, maximum. 6 ou 7 armées pleines du chaos, je pense, à détruire. Je pense pas que ça soit plus que ça. Donc il va nous falloir un peu plus d'hommes pour en venir à bout. Mais bon, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Bah j'espère en tout cas, il y a intérêt. Toi, tu vas te mettre là. Ah, Manfred, tu arrives par la gauche, donc. On va mettre un peu tous les gardes au même endroit. On va faire ça. Après les bestioles, les trucs qui volent.
être ça et ça et bah, bah, ça le reste. Voilà, on fait très simple. Alors qu'est-ce qu'on a à défoncer en premier? Ah, il est là, le chef. Est-ce que ça leur fait bien mal, ça? Ouais, pas tellement. À se concentrer sur le chef. Wow, d'accord. Bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça va aller vite comme ça. Ouh, il y a du sang. Eh mais c'est quoi ces mecs là? Ah c'est des chevaliers noirs carrément. Putain ils sont vraiment pourris par contre. Ah ouais, je pensais pas quoi. Je pensais pas. Qu'est-ce que vous me faites, vous? Bien sûr, ça c'est... Non, non, c'est pas un de mes mecs. Enfin, j'espère pas. Bah, les bêtes se débrouillent, y a pas de problème. Manfred, bouge ton cul parce que je voudrais bien défoncer les trucs quand même. Voilà. Un peu de boost. C'est bon là ou alors on fait des tartiflettes là. Est-ce qu'on perd des choses? Ouh, pas bon ça.
Enfin, pas bon. Ce que je voulais que ça soit... sans accroc. Ah putain! On a combien de magie en putain 4? Ah enfin! Et je vais pas pouvoir soigner. Je crois qu'on a perdu une bête. Bon, on y allait un peu à l'arrache, hein, je dois avouer. C'était un peu à l'arrache, mais ça va. C'est toujours mieux que l'auto. Toi, t'as un prix un peu cher, la 7. Ouais, ça va. On va prendre la magie noire. T'es qui, toi? Ah mais toi t'es un truc 100 mètres en fait. Bah toi par contre on va te faire en auto. Pourquoi? Parce que il faut tout éradiquer. Ouais ça va. 400, on va prendre le 1%. Ok, parfait. Parfait. Pourquoi je l'ai fait en auto? J'aurais pu très bien le faire en manuel, bien sûr. Hein, c'était pas le truc, le problème. Putain, on a pas mal de fric, là. Le problème... Le vrai problème, en fait, c'était de... attends, qu'est-ce qu'on va faire, là? Le vrai problème... c'était de tuer tout le monde, en fait. Pour pas qu'il s'échappe. Ok. 1, 2, 3. Ok, toute l'armée est là. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Bring me flesh to craft. Toi, bien sûr, tu peux pas venir juste dans ce putain de continent, parce que ça, c'était le bon continent, en fait, pour prendre les bêtes. Apparemment, tu peux pas. Comment on va faire? On va se replier, je pense, ici, du coup, et on va créer des mecs. Quoique, non, on a besoin de quelqu'un d'autre, en fait. On a besoin de quelqu'un d'autre. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas faire des trucs qui prennent trop de tours non plus, parce que 3 tours c'est quand même un peu la merde. Je penserais à des Vargeist, parce que les Vargeist en fait volent et tout, et c'est plutôt facile à attaquer avec les Vargeist, d'aller d'une place à l'autre. Parce que si je me rappelle bien, le chaos a des armes de siège qui sont les canons, et ces canons font très mal, donc ça serait bien d'avoir beaucoup de trucs qui volent pour pouvoir les détruire très facilement. Les Vargolfs sont bien, mais ils ont un problème, c'est le commandement. On va prendre ça. On va pas en faire trop non plus. 4, ça m'a l'air... ça m'a l'air correct. Comment... ça m'a l'air correct avec ça. Voilà, rang 4. Et la 4, ça va. Le prochain tour, on va pouvoir créer encore un peu plus de
soldats, je pense. Ça va être un peu limité, hein. Ça va être un peu limité, je le cache pas. Mais là, vu les tailles des armées, je crois que ça va être un peu nécessaire. C'est un peu ça le problème. On n'a pas vraiment le choix. Est-ce qu'on peut faire des traités avec des gens? Greetings. We may not be the M. Non. Ça m'aurait étonné aussi. Faut que ça soit un peu plus vert. Par contre, un truc qu'on peut demander, c'est un peu d'argent. Parce qu'on m'a dit moult fois que les gens en fait ne donnaient pas d'argent. Hein. Ça faudrait que quelqu'un fasse peut-être une sorte de mode. Que des fois ils donnent de l'argent un peu comme ça. I find disgusting envoys of vampires approaching me. Paiement, cadeau. Non. Ouais, ils font pas de leur plein gré les cadeaux, ça qui est emmerdant. Donc voilà. Donc je pense que vu qu'on les a découverts, je crois que l'armée du chaos va avancer. Parce que j'ai remarqué que, enfin, si vous connaissez pas, l'intelligence artificielle fait souvent ça. C'est qu'elle bouge pas pendant un moment. Et une fois que vous l'avez découvert, ça y est. Eh ben voilà. Là, on en a le bon exemple. Là, on en a le bon exemple. Et toi, si tu bouges pas, je vais peut-être pouvoir t'accrocher avec, avec Manfred. C'est bizarre, mais... ça nous fera un peu d'argent, c'est bien. Je suis pas contre. Toi tu pars. Après on peut pas créer trop de bêtes parce qu'on n'a pas vraiment un revenu de fou non plus. Faites un raid sur une région appartenant à Skalige ou Valgs. Ah ok. C'est con parce qu'on a des missions qui donnent rien quoi comme argent. C'est un peu pourri ça. C'est un peu chiant. Ah non, elle a été détruite. Ah non, j'ai cru que c'était eux. Non, ils l'ont détruit, d'accord, ok, ça marche. Très très bien. Très très bien. Tant mieux, comme ça on n'a pas besoin de... d'avoir peur. On peut en faire que 3. Bon là ça commence à être un peu la merde. Est-ce qu'on peut augmenter le niveau d'argent? Cette province plus 1, non. Plus 7. Ouais, on n'a pas des... province super méga bien pour l'argent, je dois l'avouer. J'aurais dû m'étendre plus tôt dans le jeu, mais bon, c'est pas grave. Maintenant c'est fait, c'est comme ça. Donc on va pas... essayer de changer les choses qu'on peut pas. Alors, si jamais... Tu vas aller où, toi? Feu... Métal. Ah, déplace-toi là. Qu'est-ce que je disais si jamais... Deliver your message. Je sais pas. En tout cas, voilà, on est contre le chaos. On est contre le chaos. Yes, ça c'est sympa. What do you want, blood drinker? Un petit coup? Non. Je sais pas si j'avais dit, j'ai remarqué que quand ça marche. Praise your gods, I like what you say. Très faible, putain. Eux ils servent à rien, par.
Eux, ils ont des armées de merde, mais bon. Ah, bah tiens, ils sont sympas quand même. Ils ont des armées de merde, hein. J'ai regardé entre deux vidéos, ou je sais pas où la dernière fois, j'ai regardé leurs armées. C'est ça, quoi. C'est que des squelettes et tout ça. Ils servent vraiment à rien du tout. Quand on va se retourner contre eux, parce qu'un jour on va le faire, hein, parce qu'il faut récupérer toute leur terre, on va tout prendre, je crois, en une fois. Avec une seule armée, parce qu'ils ont vraiment que de la merde. Et on va craindre aucune représaille, mais sérieux. Hein. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Mais bon, comme ça. Ready? Alors du coup, on n'a plus d'argent pour stopper les armées. C'est pas grave. C'est pas très grave. Comment... Où c'est qu'on va mettre... Ah tiens, ici on pourrait... Ah, ça va être chaud d'avoir une... Non, la garnison elle est pourrie ici. Un truc que je me suis dit, c'est qu'on peut faire un mur, mais on n'a pas le temps. Il nous faut beaucoup plus d'argent pour construire le mur et faire une troisième armée. Donc ça va pas marcher. Donc ce qu'on peut faire pour l'instant... Se mettre en embuscade et attendre. Là on est bon. Là on est bientôt bon. Par rapport à la magie. Souffle 0, d'accord. Vent, magie fort. Et là, 0, plus 20. Ce serait mieux de combattre ici, du coup. Mais bon. Wattledoff, est-ce qu'on avait fini? Putain, non, il faut... On n'a pas niveau 2. On n'a pas niveau 2, donc ça, c'est très chiant, par contre. Ça, c'est très chiant. Tiens, il y a les nains qui attaquent la ville où c'est qu'on a dit. Ok, ils arrivent doucement. Ouh, si cette... Non, 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 ils sont un peu proches. Quoique, si cette armée... Elle reste plus ou moins seule comme ça, on va peut-être pouvoir l'attraper. Ça, ce serait bien. Alors, il va falloir voir nos revenus, parce que nos revenus, ils sont pas fameux, là. Il faut qu'on combatte. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ce tour-là, ou le tour d'après, il faut quand même un apport d'argent. Parce que là, ça va pas le faire. Ah non, on le touche pas. Ça va. Ouais. Check. Bertha est de retour. C'est bien. Ok. Toi, tu m'as l'air un peu... Ouais, toi, tu m'as l'air... J'ai l'impression que ces deux, elles marchent ensemble, mais celle-là, elle est toujours en avance, en fait. Seule. Donc ça, c'est bon pour nous. Ok, donc comment on va se débrouiller? Bring me flesh to craft. I relish the opportunity. T'as des bonnes troupes quand même. 18 et 4 et 2. C'est bon. Est-ce qu'on peut... Ouais. On va voir si on nous attaque. Si on est à portée ou pas. On a 2200. Est-ce que ça vaut le coup?
600. On a 180 qui vont partir, on va dire 200. Ça, je pense qu'on va le changer en taux d'imposition. Parce que les bêtes, on va pas vraiment en faire beaucoup. Ici, par contre, ça va rester en truc. Parce que comme j'ai dit, c'est... les gardes des cryptes, ça va être très facile à faire. Donc... on est à plus 1 et on est à plus 4. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça, en fait? Je pense pas, hein. Par contre, créer mur 2 ici, ça peut être bien. Ou alors plus de troupes. Ah oui, là on fait des rangs 5, putain. Alors, on va mettre comme ça. On a... ouais. Ça ferait combien là? Ça ferait 12 plus 2. Ça ferait un petit 14. Un petit 14, c'est sympa. Ok, là on est bon. Tiens, on aurait pu assassiner. On a aussi la vampire qui est revenue. On va pouvoir la mettre dans une... dans une armée. Putain, les nains, ça va, ils se débrouillent. Ok, ils avancent. Putain, ils sont combien? 3, 4, 5, 6, 7. 6 armées et 7 avec celle-là. Ah, je dis pas que ça va être facile, hein. Je dis pas que cette campagne va être facile. Non. Parce que, oui, je suis un peu en retard par rapport au nombre de tours et vu mon avancée militaire avec mon argent. Oui, non, ça, y a pas photo. Mais, bon. Manfred, quoi. Manfred, il est puissant. Où tu vas, toi? Oh, l'enfoiré. Dévalise. Succès total, assassinat. Oh putain. Ah bah tiens, c'est la vampire, elle s'est fait assassiner. Ok. Donc là, ils sont... ouais, là par contre, si on en attaque un, on se prend... on se prend les autres. D'accord, ok. Je vois ce que t'as fait, je vois ce que t'as fait. Donc là, on pourrait y aller à deux avec Manfred et Kemmler. Par contre, ça ferait du 2 contre 3 et eux, ils sont plutôt bien armés. Putain, avec ces cons de canons là. Qu'est-ce que c'est cher? Qu'est-ce que c'est cher? Ok, on va devoir plus ou moins se replier, je pense. Je pense. Bats and wolves, gather.
Le truc, c'est que cette ville, elle est pourrie pour combattre. Donc, je pense qu'à la limite, ça serait mieux de camper sur nos terres à nous. Bon, Waldenhof est pourri aussi, mais bon. On peut pas vraiment faire autrement. C'est ça le problème. Who shall we destroy? 2400, on va jamais y arriver. Ah, faut réfléchir. Là, il faut les prendre en embuscade, en fait. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Toi, tu vas. Ah putain, j'aurais dû de changer le mode avant de transférer l'armée. C'est... Bon, c'est pas grave. Alors, vous allez sûrement vouloir attaquer ici. Ce qu'on va faire. March. Bring the night. Find me, Gravebound. March. It will be soon. I'll be all powerful. Strike out. Ok. On est bon. My axe thirsts for war. Toi, tu vas où là? Parce que c'est bizarre que tu sois là en fait. Après moi ça me dérange pas si tu veux m'aider, mais c'est un peu bizarre. Ok, on va faire ça. On a 1300. Je voudrais bien stopper une armée en fait. Mais... Putain, ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte les yeux de la tête de stopper une armée, c'est abusé. Yes. Do you need fresh troops? Ready. Ouais. Pour l'instant, je crois qu'on va laisser comme ça. Et on va voir ce qui va se passer au prochain tour. On a deux embuscades. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle peut pas... Oh non, elle est bloquée sur le chemin? Quelle merde. Je crois qu'elle est bloquée sur le chemin. Fait chier. Ok, embuscade. Très bien. Oh putain, on t'embuscade avec ça. Oh la vache. Vitesse. Alors le truc magnifique à ce moment-là, c'est que on peut faire de l'auto et complètement massacrer son unité. Mais ça serait pas drôle, on est d'accord. On est d'accord, ça serait pas drôle. Donc là, ça fait une embuscade. Alors, vu que Kemmler y participe à l'embuscade, je sais pas si ça annule la sienne. Possible que ça annule la sienne. Mais déjà, ça fait une armée qu'on va pouvoir défoncer. Je pense que on va bien pouvoir les défoncer. Faut tuer le plus possible. Faut tuer le chef surtout et les canons et tout ça. Faut vraiment en tuer le plus possible. Ok alors. On a les canons. Ils vont comme ça? Ok, apparemment ils vont comme ça. Donc là, on est plutôt vers l'arrière, ça marche. Ok. Donc, hop, hop.
a une armée là-bas, une armée, ok, ça marche. Manfred, toi, tu vas plutôt être vers l'avant. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Putain, il n'y a pas assez de forêt. Franchement, s'il y avait une forêt là, ça serait vachement bien. Parce que je veux défoncer les... Oh, bah tiens, on va se mettre là, je pense. Je veux défoncer les canons, surtout. On va pas se mettre trop près non plus, parce que sinon, ils vont nous découvrir. On va se mettre comme ça, je pense. Après, on a les bestioles de ce côté-là. Elles peuvent pas se cacher, par contre. On a les trucs volants de l'autre côté. Je sais pas vraiment comment on va se débrouiller là. C'est embêtant parce que je voudrais bien défoncer les canons très vite. En embuscade. Ils sont juste à l'arrière. Donc il nous faudrait des trucs à l'arrière. Mais des trucs cachés, c'est ça ce que je veux. On va voir. Pour l'instant, ils voient ça pour l'instant. Voilà. Ok. Est-ce qu'ils ont des trucs de tir? Ouais, si, ils ont des trucs de tir. Si vous me suivez, vous allez mourir. Vous savez que je peux faire ça. L'autre est presque mort. Par là-bas. On va faire, c'est... On va s'approcher, on va les attaquer avec les bestioles. Oh, mais nique ta maman, toi. Ils sont une putain de précision, ces canons. C'est abusé. Death's wings.
Ok, on est bon. Après, on les soignera. Vous bougez le cul, les mecs. Allez, allez. Putain de ces merdes. Oh la vache. Ça va. C'est un peu chaotique, mais ça me dérange pas vraiment en fait. C'est bon, canon détruit. Kemmler, il met tellement de temps à arriver, c'est même pas drôle. Toi, tu vas arrêter de tirer, mais pis ça, parce que là, tu commences à me briser menu. Il va falloir tuer le plus possible. Par contre, tue le plus possible. Putain, c'est un peu la merde.
vous tuez le plus possible de monde, comme ça l'armée elle est bien détruite. Ce qui est bien, c'est qu'on a tué le chef, ça c'est déjà fait. C'est bien, ils vont le remplacer avec un mec niveau 1, ça, c'est très bien. On a récupéré ça, on a... Notre armée principale a un peu souffert, mais ça devrait passer. Encore 8, oh, on peut faire encore de la magie. J'ai l'impression que ça marche plus. Ça reset les skills, mais je crois qu'avec y a une mise à jour et ça marche plus maintenant. Je sais que je mets du temps, mais... C'est juste pour qu'on tue le plus possible. Pour qu'il y ait le moins possible de troupes. On n'a pas eu toute l'armée en plus, hein. On n'a pas eu toute l'armée, mais on n'a rien perdu, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est... ça pour régène. Ça régène, yes, ça régène très très bien. Très bien. Tout, parce que là c'est vraiment un peu la merde. Le moindre petit truc peut nous aider, hein. La moindre petite chose peut nous aider à gagner. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Je ferai le prochain combat s'il y en a un prochain. La vidéo suivante. Là on va faire une série de batailles, je crois, avec Chaos. J'espère que ça va bien se passer. Ça devrait quand même. Ça devrait. On va faire comme ça pour soigner un peu tout le monde. Manfred devrait être quasiment au maximum. Notre armée principale, enfin l'armée de Manfred a pas mal reçu parce qu'elle était seule pendant un petit moment. Les renforts ont mis du temps à arriver, mais bon, c'est pas très... très grave non plus. Faut qu'il bouge, hein, pour soigner. Toujours à 5. On va voir un peu. On voit bien qu'il y en a un qui réapparaisse. Est-ce que c'est possible? Je pense, normalement, oui. Mais bon, on va voir. En tout cas, ça soigne plus ou moins tout le monde. Ils en mettent du temps à quitter le terrain. Ah, ça y est. On peut voir. Bon, on a... Putain, ils ont fait beaucoup de morts. Hein. On a défoncé les canons, ce qui est très important. C'est bien.
Après, tout le reste semble très amoché. On a tué le leader, c'est très bien. Après, le leader, ce qu'on pourrait faire aussi, mais bon, c'est comme ça qu'on a gagné là, parce qu'on les a fait vite déguerpir. On peut le maintenir en vie très basse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va revenir, on va pouvoir le tuer très facilement après. On n'a rien perdu. Ça va. Ça va, parce que Manfred a Kemmler a pas vraiment été touché. Donc ça va. 2045. Unité renforcée de 0%. D'accord. Ben on va prendre ça. Enfin, je sais pas. Non, on va peut-être prendre ça. Parce que là, on va commencer les combats et tout le monde va avoir un bonus. Enfin, on va tous avoir un bonus de commandement, donc ça peut être utile. L'argent serait bien, hein. Je dis pas, parce que l'argent, ça nous permettrait de faire des renforts, en fait. Ça nous ferait quelques unités. Après, on vient d'avoir 4000, donc bon, je préfère compter sur le fait qu'on est puissant et qu'on le restera. Oh mon dieu. Ils ont... Oh mon dieu. Ils ont mis... Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont mis un siège? Ils se sont mis... En fait, ils ont entouré la ville. Mais c'est des fous? Pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi leur tactique là? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, là on est 3 contre eux, ils sont 2. Ils sont 2 ou 3? Tu es au combat, Karl le sombre sorcier. Attends, mais... Mais c'est... On va s'arrêter là, hein. Mais c'est quoi leur technique de merde, là? Lui, bon, comme d'habitude, lui, il a été remplacé par un rang 1, c'est très bien. Les troupes, il en a presque plus, ils sont toujours en... Ils sont en... En usure, parce que le sol est très vampirisé, normalement. Option vampire avec 70%, donc c'est très bien. Mais c'est quoi ta technique, là, mec? Voilà, donc des fois, en fait, on a un peu l'ordinateur qui se fait... qui s'encule lui-même, hein, pour parler grossièrement, hein, faut le dire. Parce que là, il se fait enculer lui-même. Parce que... Non, il n'y a personne qui est en embuscade. Donc là, déjà, bon, ben, je peux confirmer que, vu qu'il a participé à l'embuscade de Manfred, Kemmler n'est plus en embuscade, ok? Donc on est d'accord. Donc là, il savait très bien qu'ils avaient 3 villes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils assiègent Essen. Dans quel but? Le pire c'est que... Oh mon dieu. Non. Ah si. Quoique... Attends, mais si j'attaque Essen... Non, tu te fous de ma gueule? Normalement, si. C'est bizarre, si j'attaque des scènes de la ville, donc, j'ai l'impression que... Ah si, ça m'a fait peur. Je me suis dit, si j'attaque de la ville, eux, ils viennent pas. Mais bon, ça m'arrête, je me dis, ça m'étonne un peu. Donc là, ce qui se passe... Là, on est bon, on est bien à 3, là. Ah ouais, on est bien à 3. Ah bah ça m'épate. Alors là, ça m'épate. Bah là, je sais pas quoi dire. On va s'arrêter ici, mais en gros, KO vient de faire n'importe quoi. Donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, vu qu'on va être à 3 et on a toutes nos armées en bonne et due forme, je pense qu'on va attaquer des scènes. Je pense. On va défoncer leurs armées parce qu'elles sont pas vraiment très puissantes.
Archaon a beaucoup de canons par contre. Mais en tout cas, ça fera que deux armées. Donc là, ça fait 3 quand même contre 2. Même s'ils sont puissants, on est quand même très. On est quand même blindé. Hein. On est quand même blindé. Lui, il pourrait rush pour aider le prochain tour. Donc je pense qu'on va devoir. On va être un peu forcé d'attaquer. Pourquoi ? Parce que là, en fait, on pourrait attendre le temps, par exemple, de récupérer des hommes et eux d'en perdre parce qu'ils sont en usure. Mais le problème, c'est que il y a cette armée-là. Après, ce qu'on pourrait faire, si ça marche, c'est bloquer cette armée-là. Comme ça, elle peut pas rusher. Elle peut pas rusher. Et au final, ça nous ferait peut-être du 3 contre 3. Donc ça, c'est un peu dangereux. Donc, voilà. Après, il y a les vassals. Ouais, les vassals vont sûrement s'en mêler. Non, on va attaquer le prochain tour. Bon, voilà, j'ai assez parlé. Je suis assez étonné de ce que vient de faire le chaos, mais bon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.